Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter ensemble le numéro 15 de la India Springfield de la moto de Johnny Hallyday. Alors, le numéro 15. Hop. On va aller très vite pour montrer fascicule. Donc, les pièces pour ce 15e numéro, il est là. Voilà, toutes les pièces sont là. Donc, on va monter ensemble le boîtier et commande du guidon droit. Donc voici le montage. J'espère que ce sera plus facile pour mettre des câbles que la première fois, parce que la première fois j'en ai galéré. Hop, et puis le guidon. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on va prendre donc cette pièce. Hop. On va prendre également. Hop. Celle-ci. Ouais. Hop. Tiens, on va sortir. Voilà. Prendre hop, cette pièce-là. Hop. On va prendre la pièce donc, qui est positionnée comme ceci. Et celle-là. Hop. Comme ça. Voilà. Hop, et ensuite, vous mettez une vis EP. Et vous mettez hop, ici. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, vous prenez, c'est pas ça. Vous prenez cette toute petite pièce. Hop. Attends, hop, il y a orange dessus, un petit triangle orange. Hop, et vous mettez ça. Hop, je suis dans le trou là. Hop, comme ça. Hop. Et ensuite, vous mettez une vis épée. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Ah non, c'est EP, pardon. Mais non, c'est bon. Non, si, c'est bon. Si, c'est bon, c'est EP. Ah bah, je retiens en arrière. Non, non, c'est bon. Ensuite, vous prenez. Hop. Cette pièce. Hop. Voilà, celle-ci. Et vous la mettez. Hop. Juste ici. Comme ceci. Hop. Non, attendez. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Désolé. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Qu'elle est trop grosse l'autre. C'est voilà, celle-ci, c'est toute petite. Voilà. Et vous la mettez donc hop, dans le trou ici.
Hop. Hop. Et ensuite, celle-là, ça va être toute petite. Et on va la mettre à côté. Parce que il n'est pas pas si je peux hop. Retourner voilà hop. Donc voilà le résultat. Ensuite, on va prendre voilà celui-ci et on va la mettre à la 10, pas mettre des vis. Emboîter un marchand avec moteur de vitesse, un moteur, un boîte frein. Non, ils ne disent pas. Ça peut-être après. Alors celui-ci, on va le positionner hop comme ceci voilà on va y passer en travers celui-là. Voilà. Hop, voilà donc le résultat final. Voilà. Ensuite, on va retourner tout ça. Hop, le câble. Très bien assemblé, ça sonne. Hop. Le câble, ce sera le C. Donc celui-ci. Hop. On va donc positionner le câble. Hop. Comme ceci. Hop. J'ai encore merdé avec ça. On supprimait cette plaque. Dans toi. Et on sort les câbles. Voilà.
Et vous mettez. Hop, et ensuite mettez une vis AP. Voilà, c'est bon. Ensuite, donc je mets ça sur le côté. Hop, vous prenez le deuxième. Hop, vous prenez cette pièce. Hop, vous mettez ça. Ouais, comme ça. Et cette pièce-là. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Et vous mettez une vis EP. Hop. Voilà. Ensuite, le deuxième câble. Donc le D. Hop, celui-ci, on va le mettre. Donc celui-ci va ici, si bien compris. Hop. Bon. On va mettre comme ça maintenant parce qu'on va prendre la moto pour monter tout ça. Ça là. Alors. On va mettre ça ici. Plutôt de l'autre côté. Attention que je reste pas le rétroviseur. Hop. Alors, on va prendre donc celui-ci qu'on a déjà monté tout au début. Vous allez mettre celui-là. Hop. Ce sera comme ça. Ici, donc en dehors, juste ici. Hop. Ça, putain. Comme ça. C'est là de rouler, ça ira bien. Hop. Comme ça. Ça n'a pas dû rouler ça. Et ensuite, on va prendre celui-ci. Attendez, je vais tenir l'envers.
Attendez. Hop. Celui-là, voilà. Comme ça. Alors, je fais, puis je vous montre. Celui-ci qui va poser problème. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais arrêter là. D'accord, ce sera la première vidéo, puis je ferai une autre vidéo par la suite parce que ça va être trop long pour vous montrer le résultat. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. À de suite pour la vidéo suivante pour le résultat. Salut!